enregistré devant public, comparé au franc-tireur qui était plus intimiste. Y a-t-il une différence un peu au niveau de... Ce jeune homme pose de bonnes questions. Ouais. C'est une bonne question parce qu'au franc-tireur, tu es dans le huis clos du studio. Donc, tu as l'équipe technique, peut-être l'adjoint parlementaire du ministre, par exemple. Tu poses des questions. Tu peux brasser l'invité d'une façon qui est plus difficile à faire dans un espace où tu as un public. Parce que là où tu as une entrevue musclée en studio intimiste, tu es en train d'embarrasser quelqu'un devant d'autres personnes dans un studio devant public. Donc, pour moi, c'est une adaptation. Qu'est-ce qui est plus important, l'habit ou la coupe de cheveux? Les deux. Les deux. Un va avec l'autre. Excellent. Merci. Un habitué de Télé-Québec. Oui, ça fait maintenant la 6e saison avec un hiatus d'un an pendant lequel j'ai fait l'émission Bar ouvert. Fait que ça doit faire 7 ans maintenant que je suis à l'antenne de Télé-Québec. Oui. J'ai entendu tantôt, tu disais que les gens souvent se servaient un verre de vin en écoutant l'émission. Oui. Moi, j'ai l'argent pour un verre de vin d'épicerie, puis je me sens pas comme si j'étais avec vous autres vraiment. C'est vrai. Pourtant, il y a des... Tu sais que tu vas payer des vins d'épicerie beaucoup plus cher que certains vins que tu vas trouver à la SAQ pour beaucoup moins cher et de plus grande qualité. Fait qu'arrête de dire que tu n'as pas les moyens de boire. Paye pas 17$ au dépanneur pour une bouteille de marde, puis va à la SAQ, puis prends-toi un DAO à 10$ qui va te donner beaucoup plus de satisfaction. J'y retournerai plus. J'aimerais savoir, une 11e saison à Belle et Bum, est-ce que tu as des scoops sur les artistes à venir? Bien, je pourrais dire nos premiers invités de la saison. Il y a Vincent Vallière, Jean-Marc Couture. Ça va être Mélanie Ménard qui va être au piano à Gogo. Puis on recommence le 14 septembre. Les gars, les vues, est-ce que c'est une idée des Satiriques ou de Louis Morissette? En fait, c'est une idée des Satiriques et de K.O. TV, notre compagnie. À la suite des bye-bye, on a décidé de développer une émission autour de ce qu'ils font. Donc, en même temps, tu sais, c'est très près d'eux, là. Je disais, on a rien inventé. On a juste pris ce qui a fait la renommée un peu des Satiriques dans les galas artistes, dans les bye-bye, dans les choses comme ça. On l'a développé en une émission de 30 minutes. T'sais, plutôt que ce soit juste une capsule de 3 minutes, comment ça peut vivre sur 22 minutes de contenu, là. C'est un petit peu ça. Donc, c'est un beau mélange entre eux et nous. Satiriques qui ont travaillé avec toi, justement, entre autres sur le bye-bye. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir la même équipe sur différents projets? C'est important d'avoir des jeunes qui me rappellent à quel point je suis formidable, qui m'amènent du café, qui lavent ma voiture. Eux, c'est vraiment les meilleurs pour ça. Il y a des journalistes aussi qui peuvent vous dire que vous êtes formidable. Ouais, mais j'ai une relation compliquée avec les journalistes. J'ai plus de facilité avec les humoristes de la relève. Bon, faut que j'aille manger.